Le futur de Laurence Boccolini sur France Télévisions reste incertain. Le 23 juin, pour la dernière de la saison de Chez Jordan sur C8, l'animatrice évoque la rumeur qui la disait sur le départ, dans un extrait que nous vous dévoilons. Depuis août 2021, Laurence Boccolini anime le jeu Tout le monde veut prendre sa place suite au départ de Nagui. Cependant, des rumeurs circulent quant à ses projets futurs au sein du service public. Alors qu'elle sera invitée de Jordan de Luxe pour la dernière de la saison de l'émission Chez Jordan ce vendredi 23 juin, Laurence Boccolini a réagi au bruit de couloir qui l'entoure. Elle a confirmé que ces discussions étaient bien réelles, expliquant, oui, si est-y fondé. Ce sont des discussions que j'ai avec Stéphane Citebon Gomez, le numéro 2 de France Télé et avec ma direction. À 60 ans, elle se questionne sur la suite de sa carrière et sur la possibilité de rester à la tête du jeu. Laurence Boccolini, j'ai 60 ans, je me pose la question est-ce que je reste ? Elle a avoué, ce sont des discussions totalement légitimes. J'ai 60 ans, je me pose la question est-ce que je reste ? Est-ce que je fais un tour de piste avec le jeu ? Ce sont des discussions que j'ai vraiment car je me suis moi-même posé la question. Bien qu'elle se dise heureuse de présenter le jeu de la mi-journée, elle admet ne pas vouloir le faire pendant de nombreuses années. Elle explique que de telles réflexions ne se font pas lorsqu'on a 30 ans et que la présentation quotidienne ne laisse que peu de temps libre. Je ne le ferai pas pendant des années. Ces réflexions-là, on ne les a pas quand on a 30 ans. Faire une quotidienne ne laisse pas beaucoup de temps à côté, explique-t-elle. J'aimerais bien refaire Money Drop. J'adorerais le refaire. Elle a également répondu à une question sur l'émission Drag Race France, confiée à Daphne Burki, malgré son amour pour le programme. Elle a rappelé être une des premières à avoir donné de la visibilité à la communauté drag dans le maillon faible et s'est réjouie de l'adaptation française de Drag Race. Cependant, elle n'a pas été impliquée dans le projet et ne souhaite pas être invitée en tant que guest. Laurence Boccolini a conclu en révélant son désir de présenter à nouveau un jeu en début de soirée. Elle a confié, j'aimerais bien refaire Money Drop. J'adorerais le refaire. L'animatrice laisse donc planer le doute sur ses projets futurs, tout en dévoilant ses envies et aspirations professionnelles. Les discussions avec la direction de France Télévisions détermineront si elle restera ou non sur le service public. L'émission est à retrouver dans son intégralité le vendredi 23 juin pour la dernière de Chez Jordan sur C8 et MyCanal.